La période qui a suivi la Première Guerre mondiale s'appelait les années folles. Simplement parce que les gens étaient tellement heureux que la guerre soit terminée qu'ils pensaient juste à s'amuser. OK? Prends ça en note, là. Ça va? Maintenant, on va commencer l'examen qui va compter pour 100% de l'année. Un examen autour de la semaine de relâche? Ça n'a pas d'allure, ça. Là, c'est pas mon problème. Si vous avez passé votre semaine de relâche à vous reposer au lieu d'étudier. Mais non, c'est une blague, là. Comment? Bon, la fin de l'année approche déjà. Je suis conscient que les sixièmes ont sûrement déjà hâte de quitter pour le secondaire, ce qui est tout à fait normal. Donc, dans le but que vous gardiez un excellent souvenir de votre primaire, j'ai pensé qu'on pourrait organiser quelque chose de vraiment spécial pour célébrer ça. Mais je tiens absolument à ce que l'idée devienne de vous autres. Il faut qu'elle plaise à tout le monde. Est-ce que les élèves de 5e année peuvent participer, Pierre-Marc? Non, Zoé, c'est juste pour les 6e années. Mais écoute, je te promets, l'année prochaine, il va aussi avoir quelque chose de spécial pour vous autres. Bon, les élèves de 6, je vais jusqu'à demain pour y penser. Ensuite, on va décider ensemble pendant le conseil de coopération. Ça vous va? Parfait. Bonne fin de journée, tout le monde. Hey, salut, Rémi, ça va? Finalement, ton justement en fin de semaine? Je suis vraiment désolée, Rémi. J'imagine que ces demandes ne sont pas encore terminées. Ouais, encore 6, puis ça devrait être correct. Je suis toute année, je m'ennuie d'elle. Ça fait 2 semaines quand même que je l'ai pas vue. Elle doit rester en résidence pendant ses traitements. Les médecins ont dit que c'était pour son bien. Malgré ça, je comprends pas pourquoi c'est aussi long. En tout cas, si t'as besoin de quelqu'un pour t'aider, c'est que je serai toujours là pour toi. Hein? Ouais, je le sais. Je te connais. Je le sais quand mon meilleur ami a besoin de se changer les idées. J'ai raison. Ouais. J'ai repensé à ce que Pierre-Marc a dit hier pour l'année. Moi aussi, je trouve que ça serait une bonne idée de planifier quelque chose de spécial. On a quand même passé 7 ans de notre vie dans cette école-là. C'est pas rien, ça. Ouais, j'avoue, c'est fou comment le temps passe vite. Dire que notre primaire sera terminée dans 3 mois pour vraiment souligner ça. As-tu pensé une idée? Moi, je dis qu'on pourrait organiser une grosse fête au gymnase. On aurait un thème genre les super-héros. Tout le monde choisirait un personnage et on se déguiserait. Il y aurait une grosse disco. Ça serait malade. On pourrait inviter tous les profs, nos amis, nos parents. Oh ouais, ma mère pourrait sûrement pas être là. Elle est trop faible pour se déplacer avec tous ces traitements. Ah, laisse tomber, je pense que j'ai le goût de rien faire finalement. Te rappelles-tu de ce que Pierre-Marc a dit en classe? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton idée est très bonne, mais je me rappelle très bien quand Pierre-Marc a dit que l'activité doit être vraiment pour nous. Une disco avec tout le monde pourrait être le fun, mais il me semble que ce serait encore plus intéressant d'organiser une activité seulement pour les élèves de notre classe. Écoute, Rémi, je sais que c'est pas facile ce que tu vis, mais comme t'as dit tantôt, faut vraiment souligner à la fin de notre primaire. Ouais, t'as raison. Pour moi, c'est vraiment important. Te rappelles-tu de ce que ma soeur nous a raconté à propos de la fin de son primaire? L'histoire de la légende? Oui! Les élèves avaient couché à l'école, la prof leur avait raconté une légende de peur, puis ils avaient joué à la cachette dans le noir. Ouais, j'avoue que ça pourrait être le fun. Un coucher à l'école avec une légende, des jeux... Écoutez, c'est bien beau tout ça, là, mais dites-moi... qui va garder mes enfants? Mais là, c'est une blague, tout le monde, là! C'est une excellente idée, mon Rémi. La seule affaire, comme je disais, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Qui est d'accord avec cette proposition? Lève la main. Ouais, t'es pas mal populaire, mon Rémi. On dirait que t'as toujours des bonnes idées, toi. Merci, mais je tiens à dire que c'est pas mon idée, mais bien celle de Marianne. Bon, je vais préparer les feuilles d'autorisation pour les parents et je vais également devoir aller présenter le projet aux membres du conseil d'établissement de l'école. Je vais aussi aller chercher les plans au sous-sol que je vais ensuite remettre au directeur du service des incendies. Là, il faut comprendre que, oui, ça implique tout ça, organiser un coucher à l'école, mais je trouve que c'est important que vous le sachiez. Là, oubliez pas, là. Pas de feuilles signées, pas de dodo à l'école. OK? Bonne fin de journée, tout le monde.